Reflet d'image. L'image qui impacte. Nous impactons par l'image. Comme vous le savez, nous sommes dans un tournant très décisif pour notre pays. Et à ce titre, quand on a été pris comme coordonnateur, il nous revient d'appeler toutes les cellules de base pour savoir d'abord les rencontrer, échanger avec eux, voir les difficultés qu'ils ont sur le terrain et expliquer les enjeux des élections qui auront lieu le 29 avril. Vous savez bien que pour cette année, nous aurons deux élections. Les élections législatives et régionales, les deux seront couplées en même temps. Donc il est très important de leur expliquer les enjeux. Et donc, nous avons beaucoup de concurrents. Et si nous avons beaucoup de concurrents, nous devons outiller la base. C'est la base qui fait le travail et nous, on nous a juste pris comme coordonnateurs. Donc, le motif essentiel, c'est de leur rappeler leurs devoirs. Le devoir que nous avons envers le parti, c'est de faire tout et tout à ce que la liste que nous avons aujourd'hui, que ce soit au niveau des législatives ou bien au niveau des régionales, que nous ayons les 3 sièges au niveau des législatives et les 6 sièges au niveau des régions. Donc c'est ça. Également partager avec eux les techniques de travail sur le terrain. C'est vrai qu'avec mission sur le terrain, ils nous ont apporté beaucoup d'expérience, mais nous aussi on leur a dit à peu près quelles sont les nouvelles techniques, surtout les consignes que nous avons reçues de la hiérarchie, afin qu'ils savent que le travail sur le terrain non seulement serait difficile, mais facile s'ils appliquent réellement les consignes. Vous savez, lors des congrès derniers, le chef de l'État, qui est le président du parti, a déjà donné les instructions. Il a dit, on va nous insulter, on va cracher sur nous, mais on dira que c'est nous qui l'avons fait. Donc on leur a dit, lorsque vous avez un dans notre parti qui a marché sur vous, considérez que ça peut arriver, ne dites rien, ne provoquez pas, ne répondez pas. Mais si ça vous dépasse, rendez compte à la hiérarchie saura ce qu'il faut faire. Parce que nous ne voulons pas qu'on nous accuse de quoi que ce soit. Vous savez, notre slogan, c'est la paix et la stabilité. Donc, il nous revient à nous de refléter sur le terrain cette paix et cette stabilité. Voilà. Souvent, nous faisons les élections, mais celles de cette année sont un peu différentes. Et cette année, on a des coordinations et nous avons des coordonnateurs. Bon, pour le canton de Glégy, on a cette coordination. Et c'est M. Fioclou qui est le coordonnateur. Moi, en tant que secrétaire cantonal, je suis membre de cette coordination. Et nous avons décidé ensemble, c'est-à-dire la coordination de Glégy, a décidé de rencontrer la base, ce que nous appelons le comité de base. Et dans chaque comité, on a demandé 2 personnes. Et elles sont arrivées. Bon, nous avons une organisation propre à cette coordination. Bon, toute la base a bien accueilli notre plan de travail et ils nous ont promis que nous allons racler les 3 sièges des législatives et les 6 des régionales.